Bonjour tout le monde, bienvenue sur Immersive TV. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série sur Fjordur. Je parle pas fort parce qu'on est en mission d'infiltration avec Vixie. En ce moment même, nous nous apprêtons à nous lancer dans les profondeurs de l'océan. Non pas pour aller apprivoiser des trucs parce que quand même, hein, bon voilà. Mais surtout pour aller visiter une grotte. Apparemment, ça risque d'être un petit peu dangereux. Et surtout, surtout, il y a le dernier artefact qu'on recherche pour aller combattre la Broodmother. En gros, Vixie, c'est là, les épisodes qui arrivent, c'est pour toi. C'est fond marin, araignée, c'est vraiment là, tu vas nager dans le bonheur, ma chère Vixie. J'espère que tu es contente. Dis-nous un petit peu. Regarde, je te tends le micro, Vixie. Parle-nous. Explique-nous un petit peu ton ressenti, là. Mon ressenti ? Oui. Mon ressenti, hein. Ton ressenti. Tu veux vraiment mon ressenti ? Ouais, vas-y. Ok, ok. Très bien, très bien. C'est un ressenti comme les autres. Voilà, donc c'est... Voilà, ici, mon ressenti. Ici, voilà. Mutsu, à vous voilà. Les studios, c'est, nous sommes voilà. Sur le non, terrain. Non, mais voilà, voilà. Ça, c'est mon ressenti, là, tu vois. Voilà. Allez. Donc, Envie. Ça va bien voilà. Se passer. Tu te souviens sur Lost Island, il y avait un labyrinthe avec plein de créatures horribles et tout. Ouais. Bah voilà, c'est tout. Allez, on y va. C'est parti. Non. Comment ça? Non. Non. Parle à ma main. Non. Ça veut pas. Allez, let's go. Il faut enfiler la combinaison de plongée. En plus. En plus. J'ai pas pris les lunettes pour aller sous l'eau. Normalement, on devrait voir, je pense. Et puis, c'est quelque part par là. Je sais pas où exactement. Donc, c'est parti. On plonge dans les fonds marins. Let's go. Plouf. Attention au Cnidaria. Oh, regarde, il y a un trou là. Je pense que c'est là, mais je suis pas sûr. Je suis jamais venu en réalité. On m'en a parlé. Mais je ne suis jamais venu. Et vraiment. Ah ouais, y a un truc. Hein. Moi, je. Tu charges, c'est ça? Je le sens. T'es où? Je suis dedans. Ah, d'accord. Secours. Je remonte. Oula. Ah non, en fait, je dis qu'on est jamais venu, mais. Vixie, ça me rappelle quelque chose vaguement quand même. Secours. Qu'est-ce que. Moi aussi, c'est ça me rappelle des trucs là. Regarde. Oh non, mais. Oh si. Oh non. Oh que si. Qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait pas qu'on rate des petites runes ou quoi. Oula, araignée! Ah, y a pu. A pu. Incroyable, Vixie. C'est probablement les ruines d'une ancienne civilisation viking. Ouais, tu me la feras pas, moi. C'est un piège. Non, là, je suis là, moi. Tu crois? C'est un piège. Comment c'est ça? C'est un piège. Oh non. C'est un piège. C'est quoi? C'est des Desmos? Oui. Vas-y, Vixie. C'est un piège. Vas-y. Non, il m'a chopé. Je suis là. Ok, pourquoi t'as sorti le Maywing? Je me suis trompé. Le panic move. Oh, il y a une rune. Il y a du monde en dessous, non? Ah oui. Oui, il y a du monde, ouais. Oh, j'ai détesté. Fais gaffe, hein. Ça joue ta vue ici. Tiens, ça t'apprendra ça. T'es où? Ah, je défonce tout. Vas-y. Oh, il m'a poussé. Le cholo, il m'a poussé. Au secours. Oh, une araignée. Ah non, c'est... Ah, je vois une potion de peur et tout. C'est terrible ce qui se passe. Attention derrière toi, c'est affreux. Ah bah je suis full. Elle est full. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien du tout. Ok, et là-dedans petite selle de stego. Ah merci, tu m'as sauvé ma vie. Oh, c'est joli. J'aime beaucoup cet endroit. On dirait qu'on pas est, moi. Tu sais, dans des... c'est vraiment ça, ça fait les vestiges d'une ancienne civilisation ou un truc comme ça. Oh non. Puis en dessous, il y a une rune, Vix. Ouais, j'arrive. Bim, bam, bim, boum. Petite rune, là. Hop. Ouais. Ok. Allez, viens, chelou. C'est bien, mon petit. Alors, encore des cadavres. Beaucoup de cadavres, quand même. Hein. Ah, attention! À tes yeux! Ah non, j'ai... Ah, oh, bien sûr, elle m'a mis un coup, elle m'a filé la ch'touille!
Ah, je m'approche pas. Ah non, on reste loin. Ok. Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Salle de mégalodon légendaire, c'est pas mal. Par contre, je commence un petit peu en avoir marre de toujours risquer ma vie dans la lave. Oh. J'ai eu peur, hein. Oui. Oh là 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 là. De risquer donc ma vie dans la lave, tu vois. Enfin, ouais, bah, c'est la vie, hein. Face à des créatures horribles, je commence un petit peu à fatiguer. Voilà, je vais peut-être prendre ma retraite plus vite que prévu. Ah, Vixie, t'es où? Oh non. Vixie. T'as toujours la ch'touille? Non. Il a toujours la ch'touille. Arrête, me touche pas dessus. Non, c'est bon, j'ai plus la ch'touille. J'ai fait semblant de tousser. I'm dead. Je le savais. Elle est morte sous mes yeux. Ok, Vixie, t'es de retour. Ouais, j'ai pendant un moment, j'ai cru que je te reverrais plus jamais. Donc tu vois, il faut faire bien attention. Les petites placounettes ici, il faut pas marcher dessus. Et les petites placounettes à gauche, à droite, il faut pas marcher dessus non plus. C'est vraiment... faut y aller mollo, hein. Ok. Je sens que je vais pas aimer cette grotte. Secours. On n'avait pas give up? Non, je pense pas. C'est sûr qu'on était allé au bout. Aïe. Aïe. C'est rien, ça va? Fais gaffe. Non, ça va pas. Ok. À chaque fois, ça me fait sursauter. Ça va le faire. Allez, on y va. Est-ce que mon fusil te fait de la lumière aussi? Oui, il me fait de la lumière. D'accord. C'est pas du tout rassurant, Vixie. Je te le dis. C'est pas du tout rassurant. Tu te souviens de ce qui pop? Attention, il faut sauter, ouais, là. Je sais. Attention, là, il y a deux petites pierres à gauche, à droite. On passe au milieu. Là, il y a encore des trucs... Ok. Cul-de-sac. Alors, j'aimerais bien marcher sur les petites pierres pour vous montrer... en fait, si c'est comme dans la map modée... Il y a un passage, là. Regarde ça. Quoi, ça? Il y a un truc à faire, ici, tu crois? Attention, parce qu'il y a une pile de... Il y a une pierre et tout, là. Non. Ouais. Ça m'a pas touché, c'est bon, tout va bien. Je pense qu'il y a rien à faire, là. Du coup, juste... For knowledge, hein. Ah, non, c'est des flèches, ok. Est-ce que... Ok, d'accord. Bon, je sais pas si c'est le cas alors dans cette map-là, vous aurez probablement la réponse dans les commentaires ou on l'aura peut-être dans l'exploration, mais quand on marchait sur ces plaques-là, ça faisait pop des drogues, les espèces de morts-vivants vikings, là, de la mythologie viking nordique. Ah non, c'est cette pièce-là. Ouais, cette pièce-là, elle est compliquée, ouais. Elle est hantée. Elle est... alors non, elle est carrée. Ah, attends, Vixie. J'attends. J'ai les infos. J'ai des infos. Donc, le vert, ce serait le numéro 1, Vixie. Parce qu'il y a un chiffre 1 et il y a le crâne vert. Aïe, mais c'est pas possible. Elles sont où les plaques? Elle est là, je l'avais pas vue. Tu retiens? Non, quoi? Le vert, c'est le numéro 1. Le vert, c'est le numéro 1. Ouais, il y a un chiffre. Mais je peux pas venir? Comment? Bon, d'accord. Tu veux venir? Non, c'est bon. En fait, moins je fais de pas, mieux je me porte. Ok, donc le vert, c'est le numéro 1. Ok. Je retiens. Le violet, on le voit là-bas. Ah ouais? Ouais, regarde, si tu te mets là, fais attention, il y a des petites plaques par terre là. Le violet, c'est le numéro 3. Tu vois le numéro là? Ah ouais! Donc vert 1, violet 3. Et ici, du coup, on a le jaune. Et le jaune, c'est le numéro 2. Ok. Donc vert 1, jaune 2, violet 3. Attention, je vais sauter. Et le 4, ce sera la dernière couleur qui manque.
Donc vert 1, jaune 2, violet 3 et le 4, ça doit être du rouge, je pense. 3 ? Ouais, je pense. Bah non, c'est du bleu. Donc, tu viens ? Non. D'accord. Donc vert 1. Jaune 2. Vas-y. Je presse. Violet 3. Ouais. Et bleu 4. Et bleu. Ah bah tiens, regarde, c'est marqué au-dessus de sa tête en plus. Oh. Oh mon dieu. Incroyable. Oh, c'est trop bien, c'est trop cool, j'adore. Et là, c'est pour partir après, d'accord. Reste pas dessous, hein. Ouais, ok. Oh, trop trop bien. J'aime pas du tout. Bon, on fait toujours attention à où est-ce qu'on met les pieds. Attention, hein. tu vas marcher. Bon, c'est bon, tu passes au milieu. Faut jamais sauter à deux. Hein. Ok, ok. J'entends un loot là. On passe par là, on fait gauche en premier ? Ouais, ouais, tu te souviendras qu'il y a un passage qu'on n'a pas pris. Hein. Ouais, oh, faut pas tomber là. Alors attends. Attention, parce qu'après au bout il y a des pics encore. Hein. Mais en fait. Okay, nickel. Ed, c'est quoi, Vixie? Non. Si on trouve pas... Fais gaffe, il y a des pics encore là. Si on trouve pas les loot, c'est pas grave. À partir du moment où on récupère l'artefact, c'est très bien. Ah là, il y a un 2. Pourquoi il y a des chiffres encore? Donc le violet, 2. Ah, violet, 2. Oh là là, tu crois qu'il va falloir encore appuyer sur des boutons? Bah ouais. Il faut noter là. Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon? Oh mon dieu, je sais pas où on va. On va voir à gauche. Attention, il y a des petites plaques de pression. Ok, il y a un loot. Ok, rien d'incroyable. Le stress, la tension est palpable. Hein. Mais on... Ah, il y a un chiffre là. Ouais. Vert 1. Vert 1. Ok. Okay. Attention, truc par terre là. Ça passe sur le côté. Le stress, quoi, c'est horrible. Y a rien ici. Y a rien ici. Oh mon dieu. Grappin, t'as grappin ? Est-ce que t'as des grappins ? Ouais, j'ai grappin. Bah, grappin, au pire, tu prends pas de risque, hein. Mais alors, est-ce qu'on peut grappinou ? Bon, je pense. Ah, on peut pas. Ah ah ! Oh la vache. Alors, attends. Ok. J'en ai fait caca de peur. Oh non! Oh là 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 là! Ça va, petit saut, ça passe. Y'a rien, non? Si, c'est bon. Oula, attention. Oh, l'horreur. Bien vu, je l'avais pas vu cela. Ah ouais, on a fait tout le tour. On est déjà venu ici? Bah oui, regarde. Puis toi, t'as sauté. Ah non, attends. Non, 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 c'est trompeur. C'est trompeur. Ouais, parce que... Il y avait pas de... Il y a un loot. Ouais. Oh bah la pièce, elle est là. Ah, la pièce est là. Ok. Et on n'a pas toutes les infos. Alors, attends. Peut-être qu'on peut en récupérer d'autres encore, des infos. Ici, il n'y a rien, en tout cas. Ok. Là, il y a une porte. Ok, 4 bleus. 4 bleus. C'est bon. Donc, c'est bon. Ok, parfait. Ah oui, d'accord. Et du coup, ça sous-entend qu'on loupe peut-être un loot. C'est pas grave. Si on trouve l'artefact, franchement, c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous faire une récap de ce dont on doit... Hein, voilà. Alors, un vert. Alors, un vert. Ok, 2 violets.
3, c'est celui qui nous manque. Et 4, c'est bleu. Donc 3 jaunes. Et 4 bleus, vas-y. Oh, c'est bon, ça a marché. Ok. On passe vite, hein, parce que ça se referme assez vite. Oh, une rune. Yes. Vas-y. Y'a rien de l'autre côté ? On a trouvé l'artefact, Vixie, let's go ! Oh, je suis heureux ! Attention qu'on se fasse pas se piéger. Normalement, ouais, voilà, il respawn, vas-y, fais-toi plaisir. Ok. Et donc là, il y a un mur, hein, ça se voit. Il doit y avoir un bouton. Ouais, il y a un bouton là. Et ça, ça va nous ramener à la fin. Enfin, au début, pardon. Quoi ? Bah, je pense, ouais. Si le level design est bien fait, normalement. Reste pas de soin, ouais. Pas dit, hein. Wouah, chaque fois, hein. C'est si, 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 regarde, c'est par là. Ouais, les escaliers qui montent. Est-ce que tu veux qu'on essaye de voir le chemin à droite vite fait, quand même? Ouais. Donc, là, il faut sauter. Attention à toi, hein. Ok. Et le chemin à droite, c'est par ici, du coup. Et bah écoute, y a le jaune, c'est pas l'info qui nous manquait ? Jaune 3. Si. Ouais, c'est l'info qui nous manquait, mais bon, avec les avant procédant par élimination, du coup on a trouvé. Bon bah écoute, c'est parfait tout ça. Oh, donc c'est bien. L'artefact du colosse, massive en anglais, donc c'est bien ce qui nous manquait, je crois, pour aller faire la broude. Du coup c'est nickel. Ouh, on sort Vixie. Eh ben franchement, tu vois, mis à part le côté quand même un peu anxiogène du truc, c'était plutôt sympa finalement. Ouais, tu crois qu'on sort, hein ? Oui, oui, c'est la sortie, bien sûr. Fais attention, hein, y a probablement des plaques encore par terre. Ah oui, là, il faut bien passer... L'horreur. Aïe. C'est bon ? C'est bon. Ah ! Oh, je suis un miraculé. Non, t'as le droit à deux coups, je crois, avec ça. Oui, mais ça m'a pas fait de dégâts, ça m'a pas touché, j'étais vraiment au bord. Ah. Oh, allez, viens, s'en va de là, Vixie. Ça va peut-être respawn les loots. En vrai, on s'en fout. Attention ! En plus, non, ça n'a même pas respawn. On récupère quelques petites gemmes vertes. Ouais. Et puis... attention ! Laisse-moi ! Laisse-la ! Je t'ai sauvé ta vie. Bien joué ! Oh, Desmo encore, Desmo, tu peux cliquer droit. Il m'a chopé ! Je suis là. Ah, je suis sur ton siège, hein. Ah oui ! Comment t'as fait ça? Ah, j'ai fait siège passager, tant pis. Hein. Ah, c'est trop rigolo. Allez, de retour à la maison après une bonne baston, rien de tel qu'un peu de repos. Et vous le savez, je me suis lancé dans l'élevage et dans la ferme parce que, je vous le disais dans un épisode précédent, tout bon viking doit savoir travailler la terre pour nourrir sa famille, évidemment. Voilà, et donc Vixie et moi-même, nous formons une famille, et donc pour nous entre-nourrir et ainsi nourrir aussi nos dinos, évidemment, nous avons besoin de savoir travailler ce genre de choses. Pour ça, ça tombe bien parce que bah, justement, on a un super petit mode qu'on a mis sur le serveur qui s'appelle Better Farming. Et petit fait marrant, ce mode, il est fait par le créateur Nekatus de la map. Donc... tout ça enchaîne parfaitement bien. Regardez, on peut faire plein de choses qui ont l'air super sympa. Bon, ça, c'est un truc de cuisine classique. On peut faire des colorants, on peut faire que de la nourriture. Bref, tout ça, c'est pas ce qui nous intéresse là. On a plusieurs petites choses. Ici, il y a des structures. Je vais vous le montrer juste après. Nous, ce qui nous intéresse, c'est... je vais vous montrer la finalité. Et ensuite, on va redescendre pour voir comment on va arriver à cette finalité-là, en fait. Donc, vous voyez, on peut fabriquer plein de trucs. On peut fabriquer du pain, on peut faire du café, on peut faire du chocolat chaud, on peut faire de l'aloe vera, des salades, on peut faire le Survivor Meal. Et chaque chose aura des petits effets. Par exemple, le café... ici, va nous permettre de régénérer notre stamina et augmentera notre vitesse de course. C'est un petit peu comme la potion qu'on a dans le jeu de base. Hein. Je crois qu'il y a une souple qui fait ça. Mais c'est sympa. Là, t'as ton petit café. Moi, j'aime bien le café. Donc, on va essayer, on va découvrir cette partie-là du mode avec ça. Donc, pour faire du café, vous voyez qu'il nous faut
De la poudre de café. On va regarder dans un instant comment on fait. Et j'aimerais bien aussi faire de l'huile d'olive, parce que bah, je suis provençal, évidemment, et l'huile d'olive, ça fait partie de mon patrimoine, quoi. Donc on va essayer aussi de faire de l'huile d'olive. Donc deux choses, du café et de l'huile d'olive. Deux trucs que je consomme tous les jours, quasiment. Donc du coup, pour faire le café, on a besoin ici de coffee powder. On va regarder comment on fait. Et l'huile d'olive, elle va servir dans diverses préparations, par exemple la salade ou je sais pas, ce genre de truc. Tu mets de l'huile d'olive un petit peu partout, hein, de toute façon. Donc, pour ça, on a des cooking ingrédients. L'huile d'olive, on voit qu'on va la fabriquer à partir d'olives. Jusque-là, rien d'exceptionnel, vous me direz. Donc, ok. Ensuite, le café powder, pareil, on va le faire à partir de coffee bean. Donc, on va avoir besoin de planter du café et des olives. Comment on va faire ça? Eh bien, on va pouvoir fabriquer des graines. On fait des generic seeds, des graines génériques, ok, qu'on fabrique avec de la sève, des fleurs rares, des champignons. Bon, jusque-là, rien d'incroyable encore une fois. J'en ai fabriqué quelques-unes, hein, j'ai pris de l'avance. On va faire une graine de café, voilà, parce qu'on va vouloir planter du café. Et on va faire aussi une graine pour planter un petit olivier. Hop, voilà. Et ensuite, on a besoin de deux choses. La première, c'est un BF crop plot. Donc, c'est un crop plot classique, mais version mode. Et ensuite, un BF triplot. Donc, j'ai fabriqué ces deux choses-là. Si les oliviers ont un joli skin, je pense que j'en planterai un petit peu partout. Dans la base, à droite, à gauche, je verrai aussi s'il y a d'autres plantes. Pour qu'on puisse bah, justement voir un petit peu ce que ça donne. Et puis ça ferait une petite déco sympa, je pense. Hop là, pour planter nos petites affaires, on va venir dans la serre. Est-ce que je mets l'olivier dans la serre ou pas? Je sais pas trop. Je sais pas trop là. Ah oui, c'est un petit peu plus gros. Ouais non, ça prend une fonda. Ok. Donc tac, là-dedans je vais planter mon engrais. Donc j'imagine que je mets la graine. Je vais planter mon engrais, mon café pardon. Et ensuite je place de l'engrais. Ah ça pousse instant. Génial. Trop cool. Oh, les petits plants de café qui poussent, là. Le plaisir, mesdames et messieurs. Et l'olivier, du coup, est-ce que je le mets... on va le mettre à l'intérieur de la serre, l'olivier. On va voir ce que ça va donner. C'est pas un arbre qui... Enfin, si, c'est un arbre qui peut grandir, mais c'est pas non plus un arbre immense. Donc, il y a moyen que ça rentre dans la serre. Et puis, c'est pour voir, hein, déjà, ce que ça va donner. Oh, c'est trop beau. J'adore. Bon, ça ressemble... Ouais. Pff. Ok. Ouais, si, c'est un petit air d'olivier. Très bien. Ok. Bon, ben voilà, ça va pousser. Et puis, ben ce sera un petit peu notre fil rouge sur les épisodes. Comme ça, je vous ferai des petits topos sur l'avancement de nos cultures. Je verrai si on plante aussi d'autres choses. Je vais me pencher un petit peu plus sur les recettes. Mais voilà, ça, ce sera nos petites retrouvailles de fin d'épisode, comme ça, pour rajouter un petit peu de contenu qui, je trouve, est sympathique. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir visionné cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Merci à tous les membres de la chaîne. Le nom s'affiche en ce moment même. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et merci à tous les nouveaux abonnés. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Demain, ça sera la Broodmother. J'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Merci en tout cas à toutes et à tous. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Enfin, même pas à bientôt. Demain, 17h. Allez, salut.